Salut à tous! Aujourd'hui, quelques petits conseils pour bien jouer la cucaracha pour le concert de fin d'année. Alors, tout d'abord, il est mieux de connaître chacun des thèmes par cœur avant de vouloir faire le morceau en entier. C'est plus simple pour réussir à se repérer dans le morceau. Apprenez d'abord le thème numéro 1, le thème qui fait do 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 fa la, do 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 fa la, donc tout ce thème-là. Et ensuite, apprenez le thème numéro 2. Do, do, fa, fa, la, la, do, la. Voilà. Et une fois que vous connaissez ces deux thèmes-là, après, vous pouvez essayer de bien les enchaîner. Ça, c'est mieux pour vous. Sinon, si vous voulez jouer avec la partition, eh ben, faites bien attention à toutes les barres de renvoi. Et puis, quand vous arrivez au d'Acapulco-da, vous retournez au début, d'Acoda, je vais à la petite cible, pour terminer le morceau. Voilà. Vous allez avoir un décompte qui va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, do, 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 fa, la. Hein, donc, on commence pas tout de suite sur le 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et c'est là qu'on commence. Allez, c'est à vous.